les violences contre les personnes trans continuent de se multiplier. Au moins 3 femmes trans ont été assassinées depuis le 1er janvier, car elles étaient trans. Le 99e féminicide à Saint-Joseph a montré une nouvelle fois la façon dont les femmes victimes étaient prises en charge par les forces de l'ordre ou la justice. Lise May a été assassinée par son ex-conjoint après avoir porté plainte à plusieurs reprises contre lui. Les forces de l'ordre ne l'ont pas prise au sérieux. Lise May était en danger. Personne ne l'a protégée. En novembre 2019, les services du ministère de la Justice avaient rendu publique une étude réalisée sur 88 femmes assassinées. Dans 65% des cas, la police ou la justice avait été saisie. 65% des femmes assassinées avaient pris contact avec la justice. Mais les pouvoirs publics leur ont tourné le dos, refusant de prendre leurs plaintes, classant les enquêtes, ne prenant pas la peine d'écouter leurs proches. Ces femmes sont nos amies, nos sœurs, nos voisines, nos amoureuses, nos mères, nos enfants ou nos collègues, et leur mort aurait pu être évitée. Les violences sexistes et sexuelles envers toutes les femmes, les mineurs et la communauté LGBTQIA+, n'ont pas reculé au cours de ces dernières années. Au contraire, les enquêtes et les nombreux témoignages prouvent que ces faits se sont aggravés. Toutes les femmes sont des victimes potentielles de ce large spectre des violences. Du harcèlement sexuel au féminicide, en passant par la violence physiologique, psychologique, les inégalités économiques et les violences dans le couple. Les enfants aussi y sont exposés. On estime qu'au moins 143 000 mineurs grandissent dans des foyers où des femmes sont victimes de violences. Des mineurs qui peuvent être eux-mêmes victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Quelle société accepte de voir autant de ses citoyennes violées, agressées, violentées, assassinées parce qu'elles sont des femmes ? Quelle société accepte de voir 220 000 femmes chaque année subir des violences de leurs partenaires ou ex-partenaires? Quelle société accepte que 165 000 mineurs soient victimes d'inceste chaque année? 4 ans se sont écoulés depuis l'explosion médiatique du mouvement MeToo. 3 ans depuis l'enquête Nous Toutes Paye Ta Plainte, qui a révélé des centaines de témoignages de femmes victimes dont les forces de l'ordre ont refusé de prendre la plainte. 2 ans depuis le Grenelle, et le gouvernement nous propose encore des expérimentations. Il serait temps d'arrêter d'expérimenter et de mettre en place des politiques publiques d'ampleur sur tout le territoire. Face au peu d'actions concrètes du gouvernement, nous exigeons le déblocage d'1 milliard d'euros afin de financer des politiques publiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, contre les féminicides, dont les retombées seraient bénéfiques à l'ensemble de la population. Nous exigeons que les forces de l'ordre connaissent la loi et l'appliquent, qu'elles prennent en compte les plaintes des victimes. Nous demandons la formation de toutes et tous les agents et professionnels susceptibles de prendre en charge une victime de violence, qu'elles soient capables de donner les réponses adaptées et une aide réelle pour que ces féminicides n'aient plus lieu. Nous exigeons l'augmentation des structures et des mesures qui garantissent la sécurité des femmes et des enfants victimes de violences. Leur mise en sécurité, des hébergements, des téléphones grave danger, tout. Nous demandons l'augmentation des subventions allouées aux associations qui participent à la prévention des violences sexuelles et à l'accompagnement des victimes. Nous demandons plus de campagnes de prévention et de sensibilisation du grand public aux violences sexistes et sexuelles, au féminicide. Les mouvements féministes le rappellent depuis des décennies. Les violences sexistes et sexuelles sont massives. Elles concernent l'ensemble de la société, mais ne sont pas une fatalité. Les violences envers les femmes, les mineurs
et la communauté LGBTQIA+, sont une construction sociale. Elles doivent être combattues, comme elles doivent être combattues avec les mesures adéquates, avec l'investissement de toute la société, et surtout doivent être prises au sérieux de la part du gouvernement pour qu'enfin plus aucune femme ne soit assassinée. Nous sommes le 16 novembre 2021 et 101 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. Le collectif Nous Toutes appelle à la marche de samedi, le 20 novembre, pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles, pour dire stop aux féminicides. On se donne rendez-vous à Paris, à République et partout en France pour dire stop aux violences. On s'est rassemblés ce soir pour dire stop au féminicide. Aujourd'hui, on a appris deux assassinats de femmes, deux féminicides, les 100e et 101e de l'année 2021. Ces féminicides, c'est insupportable pour nous. On se rassemble ce soir pour rendre hommage à ces femmes-là qui ont été assassinées alors que 65% d'entre elles avaient pris contact avec la justice. Ce sont les chiffres du ministre de l'Intérieur. En 2020, 103 femmes avaient été assassinées. Nous sommes le 16 novembre, 101 femmes ont été assassinées, sans compter les féminicides de femmes trans. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? On est à la fois là pour rendre hommage et à la fois là pour demander quand est-ce que ça va s'arrêter. On en a marre. On a l'impression que ça se passe dans l'indifférence générale. Oui, ça se passe dans l'indifférence générale. Alors, la société s'en rend compte. Nous, on se bat au quotidien pour dire stop à ces violences. On se bat au quotidien pour dire pas une de plus. En revanche, on a un gouvernement qui ne nous écoute pas, simplement. Ça fait des années que les associations et les collectifs féministes demandent la même chose et ça fait des années qu'on ne nous écoute pas. Ce n'est pas normal qu'en France, 65% des femmes qui ont été tuées avaient pris contact avec la justice. On refuse leurs plaintes. On minimise leur violence. On ne leur accorde pas la sécurité. On n'accorde pas les ordonnances de protection. On n'accorde pas de téléphone grave danger. On n'accorde pas de bracelet anti-rapprochement. Et ensuite, on s'étonne qu'il y ait des femmes qui meurent. Non, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que les femmes sont face à des violences quotidiennes au sein de leur couple et on ne les écoute pas. Le gouvernement met en place des expérimentations. Le gouvernement met en place des mesures répressives une fois que les violences ont eu lieu. Nous, ce qu'on demande, c'est des mesures de prévention. Il faut prévenir les violences. Il faut éduquer. Il faut former le personnel qui reçoit les victimes. Et voilà, il faut de la prévention, de l'éducation et de la formation. Il faut
faut former tout le personnel des forces de l'ordre à accueillir une victime de violence conjugale, à savoir reconnaître les signes qui font que c'est une femme victime de violence conjugale. Ensuite, il faut prévenir la population, il faut éduquer la population à ces violences. C'est ce qu'on demande. Et là, à l'heure actuelle, on a un gouvernement qui met en place des mesures de répression qui viennent une fois que les violences ont lieu. Non, il faut que ce soit avant. Nous demandons que le gouvernement débloque 1 milliard d'euros pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. Ce milliard d'euros, il vient pas de nulle part. Ce milliard d'euros, il vient du Haut Conseil à l'égalité, qui préconise que pour lutter efficacement en France contre les violences sexistes et sexuelles, il faut qu'il y ait 1 milliard d'euros sur la table. Ce milliard d'euros, il sert à la fois à former les personnels, à libérer des places d'accueil pour les hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences. Il sert à éduquer les plus jeunes. Il sert à donner de l'argent aux associations féministes qui se battent au quotidien pour faire entendre les voix de celles qui sont victimes de violences. Voilà à quoi ça sert 1 milliard d'euros. On ne demande pas 1 milliard d'euros sorti de nulle part. On est à plus que 5 féminicides. Oui. Un féminicide, c'est un chiffre qui grossit très rapidement. C'est un chiffre très gros, même par rapport aux années dernières, il me semble. Oui, l'année dernière, on était du coup, en 2021, on a eu 103 femmes assassinées. Nous sommes le 16 novembre 2021. 101 femmes ont été assassinées, sans compter les féminicides de femmes trans. On en compte au moins 3. Donc oui, en fait, c'est une femme tous les 3 jours. Une femme tous les 3 jours meurt sous les coups de son conjoint ou son ex-conjoint en France. C'est la réalité. Et on est face à un gouvernement qui ne nous écoute pas. Vous espérez que samedi, vous êtes dans un rapport de force, vous venez avec... Évidemment, samedi, on va poser un rapport de force. Samedi, on va venir crier notre colère. Samedi, on va venir montrer notre détermination. Samedi 20 novembre, on va venir montrer à Paris et partout en France qu'on est des milliers, des centaines de milliers en France à dire stop aux violences et qu'il faut enfin qu'on nous écoute. En fait, on a une société qui se mobilise, on a des hashtags qui fleurissent sur les réseaux sociaux tous les 3 jours et on est face à un gouvernement qui ne prend pas de mesures ou qui prend des mesures dérisoires. C'est ce qu'on va dire samedi, en fait. Et ce sera que le début. Ce sera que le début de notre mobilisation. On ne s'arrêtera pas là. Elle, là, qui a sa grosse main sur mon... Ah ouais.